à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, toujours avec mon binôme Hugues de la chaîne Saint-Cyr. Si vous ne le connaissez pas encore, allez vite, jetez un petit coup d'œil parce qu'il est formidable et il présente toujours plein de jeux super intéressants. D'ailleurs, il a encore réussi à me tenter avec des jeux qu'il a présentés hier. Voilà, mais je vous mettrai le lien direct vers sa vidéo à lui, directement dans la barre d'infos. Il vous suffira de dérouler le menu déroulant en dessous de ma vidéo et vous aurez le lien direct. Donc, cette fois-ci, on vous retrouve pour une série de 11 questions. En fait, on en avait 22 au départ, mais on a divisé en deux parties pour que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est Hugues qui a trouvé toutes les questions et je les trouve super chouettes, quoi. Donc, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, on va commencer directement. Donc, la première question. Mon jeu le plus rare et le plus précieux. Ben, je dirais pour moi que ce serait celui-ci. Parce que pour être rare, celui-là, il est rare. Malheureusement, on ne le trouve plus partout. Quand on voit les prix en occasion, il dépasse souvent les 400 euros. Alors que moi, je l'ai acheté il y a 20 ans pour 20 euros. Donc forcément, bah, il est assez précieux à mes yeux. J'ai même peur de l'abîmer parce que c'est vraiment... ça, c'est un collector, une pièce de collection. Le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Déjà, j'adore l'univers hein, des contes de fées. Les illustrations de Lisa Hunt, j'adore. J'ai presque tous ses jeux. J'adore ce qu'elle fait. Et voilà. Bon, vous pouvez vous consoler parce qu'elle va le republier sur Quickstarter, mais en anglais, malheureusement. Mais enfin, bon, il y en a beaucoup qui l'achètent en espagnol pour le moment. Moi, à choisir, si je dois choisir entre espagnol et anglais, bah, je préférerais anglais parce que anglais, j'arrive encore un petit peu à comprendre, mais espagnol, non. Voilà. Donc, voilà. Ce beau coffret, bah, c'est surtout le livre qui est d'une richesse. Hein. Il est très épais. Et chaque carte, on parle des contes. Franchement, c'est il est merveilleux. Bon, il y en a qui disent évidemment que sur Quickstarter, il sera du coup plus cher. Ça, c'est sûrement vrai. Mais du coup, peut-être que la boîte, les cartes seront peut-être de meilleure qualité encore. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... On reconnaît tout de suite aussi hein, le chaboté. Les illustrations de Lisa Hunt, c'est magnifique ce qu'elle fait. J'aime beaucoup, beaucoup. Et tu reconnais réponse. Et il y a pas mal de contes d'ailleurs que je connais même pas. Et c'est gai d'aller lire... dans le guidebook. Peut-être d'ailleurs que je me laisserai aussi tenter par la version anglaise pour avoir peut-être des cartes de meilleure qualité. Peut-être qu'elles auront un autre fini. Elles seront peut-être un peu plus grandes aussi. Enfin voilà. Et comme j'ai le livre Ma foi en français. Ma foi, ma foi. Donc celui-là, il était à l'origine aux éditions Ada. Je trouve ça vraiment dommage qu'il y a comme ça plusieurs jeux... qu'on n'édite plus et qui sont vendus à des prix astronomiques. Et c'est triste parce qu'il y a, bah, il y a certaines personnes qui commencent seulement le tarot et qui découvrent des jeux comme ça et qui ont un coup de cœur et qui du coup peuvent même pas l'acheter. C'est vraiment triste quoi. Et franchement, donner 400 euros pour un jeu, ça, jamais quoi. J'ai déjà donné 100 euros pour un jeu, c'est déjà le grand maximum. Mais pas 400 euros quoi. À moins que je gagne au loto, alors peut-être. Voilà. Donc ça, c'est le plus rare et le plus précieux évidemment. Le plus cher aussi, tant qu'on y est. Alors, la deuxième question. Deux cartes émotions qui me révoltent ou qui m'écœurent. Alors, les cartes émotions, ce sont ces cartes qui font, par exemple ici, deux cartes qui réveillent des émotions quand on les voit. Et qui, pour ces questions-ci, qui sont révoltantes, voilà. Ou deux, ça peut aussi être deux cartes... qui plutôt font acheter le jeu parce que on les aime tellement, on les trouve tellement belles que rien qu'avec ces deux cartes, c'est bon, on achète le jeu, on ne doit pas en voir plus. Bon, mais ici, c'est ceux qui me révoltent. Alors, j'ai choisi deux cartes du New Era Element Tarot de Eleanor F. Piper. Je vous l'ai déjà présenté, il y a une revue sur ma chaîne. Et les deux cartes qui me révoltent, moi, personnellement, qui me dérangent, voilà. C'est celle du diable, ici, où on voit cet enfant mort. La croix gammée, les dollars, tous ces enfants qui sont morts. Cette carte-ci, elle me fait un peu mal à l'estomac, on va dire. Voilà. Bon, elle représente bien le diable. Hein. Le fait qu'on tue des gens pour l'argent, l'addiction, des coups. Ça peut aussi représenter Hitler. Pour moi, il représentait bien le diable aussi. Il avait cette façon, justement,
d'arriver à parler aux foules, à les convaincre, justement, alors que c'était tout à fait une aberration. Moi, tout ce qu'il y a eu avec les Juifs, mais je comprends encore pas aujourd'hui comment ça a pu arriver une chose pareille. Mais tout simplement parce que c'était un bon parleur. Donc pour moi, il représenterait à merveille justement le diable, quoi. Voilà. Donc cette carte me révolte et alors celle-ci, j'ai vraiment du mal à la regarder. Avec tout ce qui est, je vous l'ai déjà dit quand je vous ai présenté le jeu, hein, les expériences dans les laboratoires. Sur les animaux, pour les médicaments et tout ça, ça me fait trop mal au ventre. D'ailleurs, il y avait un film comme ça, quand j'étais petite, une genre avec un singe, où on faisait des expériences aussi sur lui. Je ne sais plus le nom du film, mais voilà, c'est affreux. Peut-être les gens vont dire, il faut, mais de quel droit l'humain se permet de faire des tests sur d'autres êtres vivants pour des médicaments, mais alors pour des cosmétiques, pour la beauté, quand on voit à quel point on les fait souffrir, enfin voilà. Celle-ci, j'ai vraiment du mal avec cette carte. Et on voit la souffrance, la peur dans les yeux de cet animal, enfin voilà. Ouh, rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Donc ça, ce sont les deux cartes émotions qui, moi, me révoltent. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais dans ce jeu-ci, c'est les deux qui m'ont vraiment le plus retourné, je crois, et qui m'ont le plus marqué. Alors, la troisième question. Bah, de nouveau, deux cartes émotions, mais cette fois-ci que je trouve magnifiques, qui m'ont fait acheter un jeu. Eh ben voilà, donc bah, je vais encore revenir avec mon Oakashenton Tarot, le Three Trees Tarot. D'ailleurs, la suite arrive très prochainement sur l'univers des dragons. Si vous êtes sur Instagram, il poste régulièrement des images des futures cartes, c'est le même trait de crayon, le même style d'illustration, mais avec des dragons. Celui-là, il promet d'être canon. C'est le, je ne sais plus, Smoke quelque chose. Ah, celui-là, Dofy, je vais sauter dessus. Et bah, de nouveau, hein, l'ermite, je la trouve tellement jolie, avec ce petit hérisson. Voilà, j'aime trop. Je suis amoureuse de cette carte. Déjà, j'adore les hérissons. Et bah, la petite carte du faon aussi, qui représente le fou, j'aime beaucoup, beaucoup. L'idée de ce petit faon qui vient à peine de naître, qui tient pas encore ses pattes. Vous savez, là, comme Bambi dans le dessin animé, quand il vient au monde et qu'il n'arrive pas à tenir sur ses jambes, qui tombe, que sa maman doit l'aider, ben, je trouve que ça représente assez bien l'idée du fou. Qu'on est débutant, qu'on commence un nouveau projet, on n'est pas encore sûr de nous, on tient pas encore bien sur nos jambes comme le fou, on ne sait pas encore trop où on va, mais on y va, quoi. Voilà. Et en plus, on a le petit papillon qui représente la transformation. Il a sa petite besace. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment. Mais j'avoue, l'ermite. Enfin, toutes les cartes de ce jeu, mais l'ermite, vraiment. Et le fou, quand je les ai vus, ça m'a. J'ai eu un coup de cœur phénoménal pour ces deux cartes. Pour le jeu au complet, d'ailleurs. Qui, à ce jour, est toujours mon préféré tarot sur les animaux. Voilà, donc ça, c'est. Mes deux cartes émotions que je trouve magnifiques. Ensuite, la quatrième question. Un jeu que j'ai acheté juste en voyant une carte. Ben là aussi, c'était une évidence. C'est celui-ci que j'ai mis dans une. Je l'ai mis dans une pochette comme ça parce que je l'ai souvent près de moi. C'est le Smistini Tarot. Voilà. Bon, ça, c'était les cartes de présentation. Celui-ci, dès que j'ai vu en particulier, c'était la carte. Elle est où? Je vais vous la montrer. Ben, celle-ci, voilà. Dès que j'ai vu cette carte avec l'empereur qui était représenté par la bête de la Belle et la Bête, mon cœur a fondu. J'aime trop ce jeu, cet univers. En plus, avec des pers les majeurs sont avec des Disney, ici aussi, quoi, avec Jafar d'Aladin, j'adore. Voilà, bah, direct, j'ai eu un coup de cœur, voilà. Phénoménal. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà présenté avec Peter Pan et cette carte-ci de la mort. Alors là, c'est ma préférée du jeu, celle-ci. Avec la méchante sorcière de Blanche-Neige avec sa pomme. J'aime trop. Ce jeu, il est canon, quoi. Maléfique dans le diable. Voilà, celui-ci, Blanche-Neige pour le monde. J'adore les personnages. J'adore le côté fun. Il suit vraiment bien le Rider-Waite. C'est pour moi, même pour un débutant, il est génial, quoi. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il vient de Thaïlande et il coûte un bras, quoi. Parce qu'il est livré par FedEx, les frais de livraison sont exorbitants. Mais ça reste un énorme coup de cœur. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Et je crois que c'est le seul jeu que j'ai
avec des paillettes, des tranches rouges, avec carrément des pailletés, quoi. J'adore, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, là, vous le voyez. Ce jeu, coup de cœur absolu. Donc ça, c'était pour celui que j'ai acheté sans, juste en voyant une seule carte. Alors, un jeu que j'ai acheté sans voir de carte, juste parce qu'on me l'a conseillé. Bah là, vous n'allez pas être étonné, hein. C'est un jeu qui a fait un buzz monumental. C'est le jeu qu'il fallait acheter, dont tout le monde parlait. C'est le Wild Unknown Tarot de Kim Kranz. Voilà. J'ai eu aussi un coup de cœur, évidemment, pour celui-ci. Moi, j'ai la version mass market. J'avais pas pris la version auto-publiée. Et vous savez quoi? Son oracle sur les l'Animal Spirit Oracle, elle va être traduite. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est pour septembre. C'est sûr, je l'ai vu par les éditions Très Daniel. Donc, il arrive ça, c'est super génial. Parce que je l'ai en anglais, mais alors en français, ce sera encore mieux, quoi. En plus, j'adore cet oracle. Bon, celui-ci, je vais pas trop m'attarder non plus, tout le monde le connaît. Hein. J'adore ce côté trait de crayon noir et blanc, les animaux. Voilà. Et là-dedans, oui, il y en a aussi une celle que j'aurais pu aussi la mettre dans les cartes qui me révoltent. C'est la carte avec le taureau. Oui, à la corrida. Encore quelque chose qui me révolte. J'arrive pas à comprendre comment on peut trouver du plaisir à voir un animal se faire massacrer. On peut payer pour aller voir ce genre de choses. Voilà. C'est vraiment... Mais ce jeu-ci, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Voilà, celle-ci. Elle aurait pu aller dans les cartes qui me révoltent. Vraiment. C'est vraiment un sport, je trouve... Enfin, c'est même pas un sport, c'est un jeu, je trouve ridicule. C'est moche à pleurer. Voilà. Bon, voilà, vous le connaissez. Hein. Tout le monde le connaît, je pense, le Wild Unknown. Et du coup... Il a aussi... Ben, moi, j'ai pris la version anglaise, d'ailleurs, ici. Je l'ai en français. Mais c'est vrai, j'ai laissé la version anglaise sur mon bureau, dans sa boîte. Et le coffret avec le livre est en haut dans ma chambre, vu que maintenant, j'ai la version en français. C'est vrai. Du coup, ben, comme ça, quand je veux juste utiliser ceux en anglais, ils sont tout près de moi. Donc, ça, c'est celui que j'ai acheté, du coup, sans avoir de carte. Parce qu'il a été conseillé, c'est surtout parce que tout le monde en parlait. Voilà. Surtout. Alors, deux jeux qui me font flipper, qui me font peur. Je vous avoue que j'ai réfléchi un moment, c'est la question qui m'a posé le plus de soucis. Et puis au final, en fouillant dans mes jeux, je suis tombée sur ces deux-là et c'était une évidence. Ces deux jeux dont les illustrations, oui, me font flipper. Voilà, c'est pour commencer, bah, le tarot de Nicoletta Ceccoli. Ces petites poupées comme ça me foutent les jetons. On va dire ça comme ça. Aux éditions Exergue. Moi, j'ai les deux. Hein. J'ai celle-ci. Je l'ai acheté celui-ci. Parce qu'il y avait la boîte en dur. Et j'ai l'autre version aussi. Je ne sais plus pourquoi. Parce qu'il y a une édition différente. Et dans celui-ci, on a des tranches dorées. Qu'on n'a pas dans l'autre. Mais on a des bordures jaunes. Qui ne plaisent pas à tout le monde. Mais je ne sais pas. Moi, elles me foutent les jetons, ces cartes. C'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a même eu une polémique sur une des cartes avec une petite fille. Enfin, voilà. Enfin, même les petites créatures, regardez ici en bas, elles ont des têtes. À la limite, celui-ci me perturbe plus que le Deviant Moon. Voilà. Et pourtant, je l'adore. Hein. Je trouve les illustrations très jolies. Hein. Mais il est très bien, justement, pour travailler sur... en shadower, sur ses parts d'ombre, pour des... En général, une carte qui dérange, on dit toujours une carte qui dérange, c'est que qui fait peur, c'est qu'il y a justement quelque chose à travailler derrière. Que si elle vous fait peur, en général, il y a une raison. Voilà. Bon, le tout est de voir si vous êtes capable de l'utiliser. Regardez ici, ça fout les jetons, quoi. Imagine, vous lisez un livre dans votre canapé et vous tournez la tête, vous voyez ça sur votre mur, quoi. Enfin, voilà. Bon, il me faut pas les jetons à ce point-là non plus, hein, mais il en fallait un. Voilà, regardez Alice, cette petite fille-là. On dirait Alice qui est prête à trucider cette carotte ou ce navet. Même celle-là, elle fait peur, parce que le petit personnage a l'air d'avoir peur, quoi. Elle serre son lapin dans ses bras, mais dans son regard, elle a l'air d'avoir peur.
Celles-ci aussi, regardez, elles sont pétrifiées derrière un cube. Il y a ce lapin géant, là. Voilà. Celui-ci, franchement, me fait flipper. Là, elle mange un gâteau, mais il est vivant, le gâteau. Elle, on voit, elle a son œil dans la cuillère. Enfin, voilà. Celui-ci, je trouve, est particulièrement flippant. Mais je l'aime beaucoup, mais il est flippant quand même. Et ben, du coup, un que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, ben, c'est son petit frère. C'est le Ceccoli Oracle de 32 cartes, hein, qui est aussi de Nicoletta Ceccoli. Celui-ci est chez Lo Scarabeo. Il a une partie en français, comme beaucoup de jeux de chez Lo Scarabeo. Et franchement, je crois qu'il m'a coûté 12 ou 13 euros, quoi. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ben, à ce prix-là, je me le prends, quoi. Et vous avez le guidebook, du coup. On va regarder là. Voilà. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de quoi faire sur les cartes, quoi. Il y a quand même un petit peu de texte. Mais celui-là, je vous avoue, je l'ai acheté surtout en pensant à Halloween. Le dos est comme ceci. Parce que ça, évidemment, quand ce sera Halloween, je vous ferai avec plaisir un vlog sur mes jeux d'Halloween. Mais elles sont belles, hein, les cartes, regardez. C'est dans le même style, hein, les petites poupées. Mais je le trouve très, très chouette. Mais en même temps, c'est dans le même goût. Voilà, regardez là, celle-là. Voilà, on retrouve ce lapin plusieurs fois. Celui-là est un peu moins connu, je pense, qu'on le voit moins. Regardez, là aussi, il se voit un peu les jetons. Il est un peu moins connu que le tarot, et pourtant, je trouve les illustrations. Regardez, là, Pinocchio qui va avoir carrément sous la jupe de la petite fille. Bon, ben, hein, ici, le nounours. Voilà. Ce sont des jeux qui sont très bien pour travailler sur le développement personnel ici. Bon, ouais, elle a pas l'air sympathique. J'ai pas l'impression, vu son regard, qu'elle est en train de le sauver. Voilà. Donc, c'est les deux qui me font vraiment flipper, mais que j'aime quand même, ce sont l'oracle et le tarot de Nicoletta Ceccoli. Voilà. Je vous avoue que j'ai vraiment eu du mal à chercher, hein. Donc, les deux ici qu'on trouve toujours sans problème. Sur Amazon, Fnac, etc., etc. Alors, deux jeux qui me font rêver. Ah ben là, j'ai pas eu longtemps à chercher non plus. J'ai regardé dans mes jeux. Celui-ci, franchement, me fait rêver avec ses créatures fantastiques. C'est l'oracle des êtres fantastiques de Gumiho de Stéphanie Paco. Que j'aime et j'adore. J'ai eu un coup de cœur pour les illustrations, pour le dos, pour tout. Et ce jeu me fait rêver, moi. Voilà. J'aime cet univers, personnage, être fantastique. Le dos est somptueux. Hein. Les tranches sont argentées. Et voilà. Le druide. Le troll. Moi, j'adore cet univers. C'est comme je regarde. J'adore les séries, les films avec l'univers fantastique. Avec des trolls, des fantômes. Comme Harry Potter, quoi, un petit peu. Voilà. Le lycanthrope. Hippocampe. Les fées. D'ailleurs, pour le moment, bon, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir. J'ai découvert la série, bon, bien après la guerre. Hein, cette série est sortie depuis très longtemps. Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a déjà vue. Once Upon a Time, je viens de la découvrir il y a une ou deux semaines. Et je viens de finir la première saison. Et j'adore cette série sur les contes de fées, justement. J'adore, j'adore, j'adore. Et quand je vois qu'il y a cette saison... En plus, je me dis que avec chaque fois plus de 20 épisodes, ben, j'ai le temps avant de la finir. Voilà. Elles sont magnifiques, il y a la licorne. Voilà. Centaure. La dryade. La sirène. Enfin, voilà. Le Gumiho. Le phénix et le minotaure. Tous des contes, légendes, personnages fantastiques. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, il me fait rêver. Voilà. Et le deuxième, ben, j'ai pris celui-ci. Le Become an Oracle, qui a été publié ben, chez Wasima, sur la boutique Core Magic. Voilà, et j'adore parce qu'il a aussi un univers bah, fantastique. J'adore ses illustrations. Il arrive avec un guidebook comme ceci. Et je vais vous montrer. Le dos est comme ceci, déjà magnifique avec cette licorne, un serpent. Et les illustrations sont magnifiques, franchement.
Je l'aime beaucoup. Il y a des archanges. Enfin, il y a vraiment, regardez-moi ça, les couleurs. Il est vraiment magnifique. Ici, archange Azriel. La déesse Bastet. Elle est belle. Je trouve magnifique. Ici, les dragons. La Gaïa. La fée des fleurs. Enfin, voilà. La fée des arbres. Regardez-moi ça. Les paysages, on s'y perdrait. Hein. Les fleurs. Le géant. Elles sont vraiment belles. Hathor. Les mûries. Ici, Sekhmet. Et je trouve les illustrations magnifiques. Regardez ici les sirènes. Comme elles sont jolies. L'esprit de l'océan. C'est joli, hein. Regardez la licorne, comme elle est belle. Ici, les docteurs d'autres galaxies, guérisseurs d'autres galaxies, les ancêtres, l'archange Chandalphon, Atlantide. Voilà, moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Maat, la déesse Maat, Poséidon. Celui-là, on ne l'a pas vu assez, je trouve. Et l'esprit du vent. Et je vais peut-être juste vous montrer le guide. Vous pouvez toujours le trouver si jamais il vous intéresse hein, sur la boutique de Wasima ou sur son Etsy. Voilà. Et il y a une partie anglais et une partie en français. Hein. Alors, on va nous parler bah, justement de toutes les cartes. Archanges, médecin d'autres galaxies. J'avais bien traduit quand même. Voilà. Et le but de cet oracle est de vous aider à vous connecter avec de nombreux êtres magiques afin d'absorber leurs enseignements et de les sentir vibrer avec eux. Voilà. Become an oracle. Je l'aime trop celui-ci. Alors, j'allais mettre le guidebook dans la boîte alors que ça ne rentre pas. Voilà. Je trouve superbement beau. Alors, ensuite, un jeu coup de cœur de notre belle Célia. Alors ça a été une question fort difficile aussi, parce que je les aime tous. J'aurais eu tendance à dire, mais il n'est pas encore sorti, donc je ne peux pas le dire, son futur beau tarot avec les fantômes, qui me fait craquer. Je suis tellement pressée qu'elle le termine pour pouvoir lui en commander un exemplaire. Celui-là, pour Halloween ou même pas, mais il va être canonissime. Donc, de Célia Mélesville, je pense que vous la connaissez tous. J'ai hésité avec l'oracle des reflets, l'oracle des bardes. Et pour finir, j'ai pris le dernier en date, le tarot renard. Voilà, parce que je trouve les illustrations trop cute, trop mimi. Je l'aime, voilà. Il est vraiment, vraiment beau. Ah, celle-ci, j'aime particulièrement, hein. La carte du renard blanc. J'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai vu. Je l'ai soutenu d'ailleurs sur Quickstarter. Mais je pense que le beau tarot va quand même le détrôner. Mais là, avec ses petits lapins tout cute, avec les petites souris en plus, coup de cœur. Les couleurs sont magnifiques. Enfin voilà, il est doux, il est beau, il fait du bien. Mais je l'aime trop. Regardez-moi cette carte de l'étoile. J'aime tout ce que fait Célia. J'ai tous ses jeux. J'aime trop ses illustrations. Bon, je vous le montre vite fait parce que je vous ai fait la revue il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà. Mais celui-ci, c'est un coup de cœur. Vraiment. Déjà, j'aime beaucoup les renards aussi. Et je vais quand même vous montrer le dos qui est sublime hein, avec ses effets de dorure. Regardez. Magnifique. Même la boîte, tout est magnifique. Voilà, je le remets vite dans sa boîte. Voilà. D'ailleurs, la boîte, je la trouve tellement belle qu'il est tout le temps sur mon hôtel au-dessus. Il est comme ça, mis en décoration, tellement je le trouve beau. Alors, un jeu coup de cœur de Gabriel Leroy. Ça, c'est pas difficile, je n'en ai qu'un. Bon, j'ai l'oracle de Gaïa, mais comme il l'a fait avec Ange de Gaïa, non, c'est... Ça y est, j'ai oublié le nom. Enfin, soit vous voyez duquel je parle.
avec le coffret bleu. Mais j'ai choisi l'Outre Chimère parce que ce jeu, je le trouve, mais d'une originalité incroyable. Franchement, et les illustrations de Gabriel Leroy sont magnifiques. La qualité du coffret est magnifique. Franchement, il est vraiment pas cher en plus pour le prix. Et j'aime beaucoup justement l'originalité de pouvoir faire des chimères avec les symboles qu'on retrouve sur les cartes. Voilà. Bon, je vais passer les cartes ici. Avec ces bouts de chimères qu'on peut assembler hein, pour faire différentes chimères. Voilà. Et les illustrations de Gabriel sont magnifiques. Hein. Regardez-moi ça. Beaucoup de poésie. Regardez ici. Avec ce chat noir, la lune. Tout ce que j'aime. Ah, il est vraiment beau. Et le dos, on n'en parle pas. Il est magnifique. Hein. J'adore. Voilà. Donc, ça, évidemment, oh, il est beau. C'est mon préféré. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est en train de travailler sur un suivant. Si je dis pas de bêtises. Je trouve magnifique. En plus, il y a plusieurs mots-clés. Enfin, il est hyper bien construit, ce jeu, en plus d'être magnifique. Voilà. Et je rappelle, c'est un auto-édité. Hein. Regardez la clairière avec ses petits écureuils. C'est un auto-édité. Il a tout fait lui-même. Et franchement, les cartes sont d'une qualité. La boîte, le livre, tout est de super qualité. Et le prix n'est vraiment pas exagéré, je trouve. Voilà. Il est vraiment magnifique. Je crois que j'ai fait une vidéo de présentation. Si vous voulez le découvrir plus en détail, vous allez dans la playlist des oracles. Et regardez-moi celle-ci, comme elle est belle. Ce sont des peintures de Gabriel aussi, hein. D'ailleurs. Je vais le préciser aussi. Voilà, donc c'est le magnifique oracle Outre Chimère hein, de Gabriel Leroy. Voilà. Je vais quand même vous montrer vite fait le guidebook. Vous voyez le guidebook est en couleur, sous le papier glacé. Et il y a quand même pas mal de texte pour chaque carte, quoi. C'est bien expliqué. Enfin voilà, ça c'est un gros coup de cœur aussi. Je pense qu'il est toujours disponible. L'Outre Chimère de Gabriel Leroy. Magnifique jeu. Ensuite, un jeu coup de cœur d'Alcide Nathanael. Bon, j'ai hésité encore une fois avec les cartes d'Algariel, mais finalement, j'ai pris l'Oracle des Sages, que j'adore. Il y a des illustrations dont je suis vraiment amoureuse. Voilà. Il arrive dans un magnifique coffret comme ceci aux éditions Contredire. Le livre, il est d'une richesse. Regardez-moi ça. Il fait, je ne sais plus, 300 pages. Il y a, pour les cartes, regardez, c'est une de mes préférées en plus. On a les mots-clés, pour l'affectif, le professionnel, le spirituel, des exemples d'associations et ça pour chaque carte. Enfin voilà, il est magnifique, vraiment. Je vais vous montrer quelques cartes. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le dos est comme ceci. Magnifique. Les tranches sont neutres. Il est sur. J'adore le bruit qu'il fait, la sensation. C'est du mat. Et franchement, les inus, la panacée, elles sont magnifiques. Regardez. L'ombre, j'adore celle-là. Le loup, j'aime beaucoup aussi. Celle-là aussi, la fin. L'étoile. L'anneau. Je voudrais vous montrer, là il y en a plusieurs, la triade, le fantôme, l'épée. Toutes les cartes avec des cristaux, j'adore. Le casque fait penser aux cartes d'Algariel, ça. Le sage, parchemin. Ici, par exemple, la vie avec ses magnifiques cristaux. Je regarde la cristal noir que je trouve magnifique. J'adore... le rendu, le fondu de couleur comme ça. La fortune, la flamme. Celle-ci aussi, les rêves. Magnifique. Celle-ci, c'est une de mes préférées. La force. Cette tourmaline melon d'eau. La plume est magnifique aussi. Celle-ci, j'adore. La nuit. Le pendule qui fait aussi penser à Algariel. La divination. Celle-ci, c'est, je crois, ma carte préférée de ce jeu, les abîmes. Ne me demandez pas pourquoi, quand j'ai vu cette carte, il me fallait le jeu. Elle m'a vraiment attirée. Le pouvoir,
et le serpent, magnifique aussi. Ce jeu, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup Alcide, son travail. J'adore le quart d'Algariel, mais celui-ci, ça a été vraiment une magnifique découverte. Franchement, il est super. Donc, l'oracle des sages. Et pour finir, mon dernier oracle coup de cœur, ben, le dernier que j'ai reçu qui a été un véritable coup de cœur, ben, c'est l'oracle de la magie forestière de Lyra Seoltoire et ma belle Antoinette Charbonnel. Voilà. Que dire, cher Arcana Sacra, à part waouh, le coffret est magnifique. Alors, le livre, n'en parlons même pas. Cette couverture est faite au cuir comme ça, est magnifique. En plus, cet oracle est divinatoire. Franchement, il est génial. Si vous aimez la nature, la forêt, enfin voilà. Il y a beaucoup de... Le livre est magnifique, tout en couleurs. Enfin, il y a les lunes. Il est magnifique, franchement. La boîte est magnifique. Enfin, tout est magnifique, voilà. Vous l'aurez compris, hein. Voilà, la forêt, ici. Une des lunes. Le dos est magnifique. Et ben voilà les cartes. Avec des champignons. J'aime beaucoup. Et ici, les cartes bleues, ben c'est les cartes qui représentent la nuit. Avec les différentes pleines lunes. Justement. Le thym, on a des plantes médicinales aussi. J'adore, moi, les plantes médicinales. Enfin, ce jeu est vraiment... Et en plus, il parle très bien. Il est percutant, je trouve. Ben voilà, c'est un vrai coup de cœur. Pleine lune des fraises. J'adore les cartes de pleine lune. Je trouve magnifique. La menthe. Pleine lune des corneilles. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le petit dernier arrivé à la maison. Coup de cœur. Voilà. Bon. Je vous l'ai présenté aussi. Si vous voulez la présentation complète, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist des oracles. Donc voilà, ce petit vlog est terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Vous pouvez me dire vous aussi en commentaire bah, les jeux que vous avez, ceux qui vous font plus flipper, ceux que vous avez achetés sans voir de cartes, etc. etc. Et n'oubliez pas d'aller voir du coup la vidéo de Hugues qui sera en barre d'infos. Et si jamais vous avez d'autres questions... que vous avez envie qu'Hugues et moi on vous réponde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Voilà, ben je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!